Salut à tous, c'est la blonde du web. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers mystérieux de Close to the Sun, un jeu qui est actuellement offert dans le Xbox Game Pass. Vous savez ce que ça signifie? C'est l'heure d'explorer ce titre captivant, de partager mes impressions et de vous dire si ça vaut la peine de le télécharger. Allez, préparez-vous pour un voyage passionnant car nous allons des informations croustillantes à vous révéler. Alors, Close to the Sun, c'est un jeu qui a été développé par le studio italien Storm in a Teacup. Le studio s'est fait remarquer pour son souci du détail et son attention portée à la création d'une atmosphère unique. Et ça se ressent dès les premières minutes du jeu. Le jeu est quand même sorti en mai 2019 sur PC. Il a reçu de nombreuses critiques positives pour son ambiance, son histoire intrigante et sa direction artistique exceptionnelle. Alors, le jeu nous place dans la peau de Rose Archer, comme vous voulez. C'est une journaliste intrépide à la recherche de sa sœur disparue à bord de l'Hélios, un navire scientifique colossal. Dès le début, l'ambiance du jeu est palpable. L'Hélios est un endroit qui respire le mystère et l'inquiétude. Et vous vous sentirez rapidement immergé dans cet environnement étrange et inquiétant. L'Hélios, où se trouve l'action, est un navire scientifique géant, conçu pour être un refuge utopique, mais qui a sombré dans le chaos. Vous devrez explorer les différentes sections du navire, chacune avec son propre ensemble de défis et d'énigmes à résoudre. Les graphismes du jeu sont tout simplement époustouflants. Les décors sont détaillés à l'extrême, ce qui ajoute une couche de réalisme à l'ensemble. Les environnements sont à la fois magnifiques et oppressants et vous vous retrouverez souvent à admirer la vue tout en restant sur vos gardes à cause de l'atmosphère tendue du jeu. Le gameplay de Close to the Sun est centré sur l'exploration et la résolution d'énigmes. Vous devrez examiner les moindres détails de l'environnement pour progresser et découvrir les secrets de l'Hélios. Le jeu propose une variété d'énigmes stimulantes qui vous feront réfléchir tout en maintenant l'immersion narrative. La bande-son du jeu mérite une mention spéciale. Elle contribue d'une manière significative à l'ambiance du jeu. Les bruits de l'Hélios, les chuchotements inquiétants et la musique d'accompagnement créent une expérience audio immersive qui vous tiendra en haleine tout au long de votre aventure. Maintenant, voici une info passionnante à propos de Close to the Sun. C'est son lien avec Nikola Tesla. Ça vous dit quelque chose, hein? Le célèbre inventeur et ingénieur. Le jeu s'inspire du concept de l'énergie infinie de Tesla et l'Hélios est alimenté par une technologie futuriste qui rappelle les expérimentations électriques de Tesla. Cette connexion ajoute une couche fascinante à l'intrigue et donne une profondeur supplémentaire à l'univers du jeu. Eh bien mes amis, c'est tout pour cette plongée dans l'univers intrigant de Close to the Sun. Mon verdict, si vous êtes fan de jeux d'horreur narratifs, ce jeu vaut vraiment la peine d'être essayé. L'histoire captivante, l'atmosphère inquiétante et les énigmes stimulantes en font une expérience unique. N'oubliez pas de télécharger Close to the Sun si vous avez le Xbox Game Pass, car c'est une occasion en or de découvrir ce titre sans frais supplémentaires. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez déjà joué à ce jeu ou si vous prévoyez de le faire. J'adore entendre vos réactions et vos commentaires. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce, de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur les jeux vidéo et de partager vos suggestions pour d'autres jeux que vous aimeriez que je teste. Prenez soin de vous et à la prochaine pour d'autres aventures vidéoludiques. Bye bye tout le monde !